Salut tout le monde, ici GameHacking pour ce nouvel épisode de troisième épisode, si je ne me trompe pas, de Kingdom Hearts Tenor Mix HD. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude. Dans le dernier épisode, on a assisté à la destruction de Trill après avoir fini de ramasser les provisions. Et là, Donald et Dingo ont atterri ici comme nous. Ils sont à la recherche d'une clé et qu'on a dans les mains et du roi. Bref, partons. Ouais, là faut qu'on visite, si je me trompe pas, cette partie-là de l'histoire. Je me rappelle pas ce que j'aimais, mais je me rappelle quand même. Il faut qu'on... Attends, je vais voir si je peux monter là-haut. Je pense que oui. Non, je peux pas. Bon, regarde. Je pense que c'est plus tard, je suis pas sûr. Bref, là, il faut qu'on visite tous les quartiers pour essayer de trouver en fait Riku et Kairi. C'est le créateur qui était sur mon île, sur l'île. Là on a vu une personne se faire enlever son cœur par une créature mais plus puissante que ça. Ah, il faudrait se faire attention. On va pas tuer. Je pense que j'aurais dû assis les potions. Ah, je suis déjà mort. Aïe, aïe. Par des 100 coeurs de base. Sérieusement. C'est pourri. Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Je foire beaucoup de trucs là. C'est fou. On l'a vu. On s'en fout. Bah, on peut pas skipper ça. On peut pas forcer ça. Ouais, je sais que les créatures qui étaient sont en nous. C'est pas mieux de te faire tuer comme tantôt. S'il te plaît, ça va. Allez. Arrêtez de me frapper. Bon, les petits combats, mais je suis pas sûr si on est obligé de les battre les autres, donc c'est ça. Là, on ramasse des munis, ce qui est la monnaie du jeu. Bref, partons visiter une autre carte, une autre place. Ah, ça me donne tout de battre, perso. Même si c'est pas les monstres les plus forts du jeu, les créatures les plus forts du jeu, mais ça me donne tout les battre. On va le troisième quartier. Il y a encore les mêmes créatures. Là, on voit rien, on retourne. Bref. C'est ça. Faut juste qu'on visite tous les quartiers, puis après on va aller à la Zoaerie. Allez, go. Je vais aller là. Ok, c'est fermé. C'est fermé par là aussi. Bref, on n'a rien vu là. Allez, on va par là. Allez, un petit combat. Non. Ça commence à m'énerver un petit peu de perdre contre. Même si j'ai perdu une fois. Là. Non, putain. J'ai même plus de poisson. Ah. Mais où est-il, Léon? Les autres ils cherchent Léon. Donc, moi je cherche Riku et Kairi. Donc,
Non, j'en vais là. Si je me trompe pas, c'est la ruelle. Ouais, cette place-là, je pense que ça s'appelle la ruelle. Là, ça, c'est la maison des Dalmatiens. Pas la... Non, plus. Ça va prendre du temps. Ouais, ça a l'air de prendre du temps. Bon. Là, il faut qu'on retourne neuf Dalmatiens perdus. En fait, on n'est même pas dans ruelle, j'ai réalisé qu'on était encore dans le deuxième quartier. Bref, j'ai tout visité le quartier, donc je vais retourner. Go. Je vais pas m'attarder sur les 100 corps, parce qu'ils réapparaissent tout le temps. Puis, j'ai presque plus de vie. Donc, c'est ça. Sans ça, je vais encore recrever. Bon, on va aller à la zoaillerie. Même dans le premier quartier, ils sont là. Go. On rentre dans la zoaillerie. On va se réserver, on va sauvegarder. Puis après, on ressort. Go. Sauvegarder. Sur le fichier 3. Parce que c'est tout le temps utile d'avoir un bon paquet de fichiers. Mais moi, je vais sauvegarder à chaque fois dans un fichier différent. À cet épisode, parce que c'est pour qu'ils aient la sauvegarde du dernier épisode. They'll come at you out of nowhere. Who are you? And they'll keep on coming at you, as long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this. All right. Then have it your way. Bon, là, il faut combattre une personne qu'on connaît pas encore. Il est assez fort. Puis on est pas, c'est pas un combat qu'on est obligé de gagner parce que là j'ai plus de potions puis je suis attrapé de crever. Donc oubliez ça si vous voulez que je gagne. Hey, you found it. Nice going, Leon. Still, it looks like things are worse than we thought. A lot worse. Gorsh, there's nobody here. Sure is spooky. Actually, I'm not scared. Excuse me. Did the king send you? Come on, lazy bum. Wake up. You okay? I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade.
But it's your heart they really want, because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi? Who are you talking about? I'm the great Ninja Yuffie. Hmm? I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one. Oh. Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay. You know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? Yeah. But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed. The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts, that's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gorsh! Can we see it? Its pages are scattered everywhere. Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes, those were my thoughts exactly. We've got to find him, quick! Red! Trust me, Ninja King! That's right. The Keyblade. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you, no matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute! What happened to my home? My island? Riku! Kairi! You know what? I really don't know. Bon, Donna l'idée, il va sauvegarder ici, on va parler de la cinématique aussi, il nous a parlé d'un certain Ansem qui a fait des rapports sur les Sanka, les Sanka étant les monstres qui nous ont attaqué, qu'est-ce qu'il y a aussi, ok, parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire avec l'horloge. Ben. Non, je sais pas, parce que c'est Squall. Ouais, puis on a rencontré Squall, Yuffie. Puis une autre fille, je pense. Mais je sais pas s'ils l'ont dit, mais elle s'appelle Aerith. Si elle l'a pas dit, je l'ai dit. Ah, arrête donc de le viser. Ok. Je dirais c'est un. Ce qu'il faut qu'on mette à toutes les heures qu'ils disent là, je vous l'ai pas dit, c'est qu'il dit midi, 7h, puis là-bas il était marqué 18h, là il était midi. Ah. Allez. Ah non, c'est pas ici. Ici. C'est 7... 18 avant. C'est pas 7h, si je me trompe pas. Ah. Allez. Ah, j'ai de la difficulté à frapper, c'est fou. Bon, attends. Allez. Allez. Purée. Pomme pas là. C'est ça. Puis
On a entendu que les rapports d'ensemble seraient éparpillés dans d'autres mondes. Ah, c'est ça, c'est le coffre qui nous a donné. Qui était pas là, me semble. Un bout de métrile, ok. Non, je vais lui parler. Ok, pour ouvrir les portes et les coffres, c'est bon. Donc, pour ouvrir ça, qui nous donne un élixir. C'est utile. Parce que j'ai besoin de quelque chose qui ressemble à mes aspects et c'est ça. Bon. Tôt ou tard, les 5 heures te trouveront. Tu feras bien de te préparer. Me préparer à te battre pour ta vie. Es-tu prêt? Je suis prêt. Yuffi, allons rejoindre Aerith. Bon, ils l'ont dit. Elle doit déjà être avec là avec les autres visiteurs. Léon. Yuffi, go! Yuffi! Sora, let's go! Ne pars pas ton temps avec eux, ceux-là trouvent leur chef. Ok, en route. Bon, je voulais faire. Ah, allez-vous-en. Ben, je vais pas prendre mon temps avec ceux-là, comme tu as dit. Alors, il y a un coffre. Ah putain. C'est pas par là, je me suis trompé. Je me suis gouré de route. Bref, là, il faut qu'on trouve le chef des 104. Puis pendant la cinématique, pauvre Donald, il s'est fait écraser parce que Yuffie est parti, je crois. Putain, la maison des Dalmatiens. C'est ça, elle emmène là. Donc, c'est là, on est dans la maison des Dalmatiens, on s'en fout. C'est juste pour aller dans le deuxième quartier qui est relié par leur maison aussi. Elle est. Bon, on va bientôt arriver, je pense. Ouais, là on peut sortir au deuxième quartier. Puis vu qu'il a dû trouver le set, moi, ben, ça sonne comme si on devait battre un combat de boss. Donc c'est ça. Go. Allez, me semble le boss est dans le troisième quartier, si je ne me trompe pas. Le chef des monstres, des sans-cœurs. Gorge, are these the heartless guys? Let's go get them, Goofy! Bon, là, il faut que combattre les 104 avec un côté Donald puis Dingo. La première fois qu'on combat avec, là, on ne sait pas trop c'est qui encore, on se bat juste avec. Ils ne sont pas présentés. Donc, ça c'est un peu dit. Ben, c'est normal, on combat. Dingo a une montée de niveau en plus. Bon, voici le boss des 104. Plus il faut qu'on le détruit. Évidemment, c'est un boss. C'est le seul but des boss, en fait. Là, on... Oh. Ah! Oh non, j'ai rien d'équipé. Ah, oh, c'est vrai. Je perds parce que j'ai oublié d'équiper l'élixir. Il faut rien parce que j'ai oublié d'équiper l'élixir. Allez. Je veux pas qu'on recommence. Je veux recommencer avant le boss.
Vas-y, c'est bon. Les prendre. Ah, en plus, j'avais des potions en plus, je savais même pas. Eh, c'est fun d'avoir commencé avant le boss. Putain, je vais penser à la scène parce qu'on l'a déjà vu, on s'en fout un petit peu. J'ai hâte d'avoir des bonnes capacités, là, vu que j'en ai pas, ça va être un petit peu difficile. Ok, c'est bon. Je pense la scène encore, parce qu'on l'a déjà vu, puis ça me tente pas. Allez, c'est le torse, son point faible. Ça, je le frappe. Putain, je me suis désigné. Je ne tentais pas de récréer. Allez. 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 Il va laisser Zerd. Non, aucun. Allez, je vais bientôt le buter, je le sens. Là, ça va mal. Mais inquiétez-vous pas, plus tard, on va avoir une capacité nous permettant de voir la vie des ennemis. Inquiétez-vous pas. Là, on la voit pas, donc c'est un peu chiant selon moi. Allez, j'ai tout fusé en plus, c'est tout. Allez, d'autres pièges. Je vais ramasser les bubules, les points de vie. Pour me régénérer un petit peu. Allez, non. D'autres petites pièges. Aïe, 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 ça fait de mal. Faites attention. J'avais pas qu'il me frappe, attends. Allez, non, il se croit que c'est le porté. Go, ici. Allez, tiens, vous pouvez crever bientôt. Yeah, mort, il est mort. Non, il est pas mort. Il est mort, yeah, c'est bon. On... On a eu un corps de bravoure. So, you were looking for me? They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. I wonder if I could find Riku and Kairi. Of course. Are you sure? Who knows? But we need them to come with us to help us find the kid. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Yeah, I guess. But you can't come along looking like that. Understand? Ooh. No frowning, no sad face, okay? Yeah, you gotta look funny. Like us. Yup. Whoa. This boat runs on happy faces. Happy? That's one funny face. Okay, why not? I'll go with you guys. Donald Duck! Name's Goofy.
I'm Sora. All for one, one for all. Squirt took down that Heartless. Who'd have thought it? Such is the power of the Keyblade. The child's strength is not his own. Why don't we turn him into a Heartless? That'll settle things quick enough. And the rat's friends are the King's lackeys. Swung on the eyes, they're all bilge rats by the look of them. You're no prize yourself. Shut up! Enough! The Keyblade has chosen him. Will it be he who conquers the darkness? Or will the darkness swallow him? Either way, he could be quite useful. Prépare-toi pour le voyage qui t'attend. On ne sait pas combien de mondes ont été envahis par le Sans-Cœur. Dans les boutiques de la ville, il y a des objets trop cool. C'est de notre part à tous. Ah, 500 minus, merci. Dépense-les comme tu voudras. Bonne chance. Merci. J'espère que tu retrouveras tes amis. À moi aussi. Faites attention à vous. Ne perdez pas espoir. Ok, merci Squall. Le vaisseau Gumi est derrière ce portail. On peut aussi des points de sauvegarde, ce qui nous dit. Le quoi? Notre vaisseau? Faut que tu vois ça. Une minute. Sora, c'est pour toi. Ah, essence du feu, là on a pris un nouveau sort de Mazie, qui est brasier, c'est bon. Dingo, donne-lui l'autre truc. Quoi? Tu sais? Ah ouais. On a appris roulade. Ok, c'est bon. On peut activer les compétences si je veux faire. Les compétences permettent de faire plein de trucs pratiques. J'espère qu'on en trouvera beaucoup. D'accord, c'est tout. On y va alors? Pas avant qu'on soit prêt. Eh bien, je vois qu'ils vont vivre une grande aventure. C'est à moi qu'il revient de consigner. Désolé. C'est à moi qu'il revient de consigner tout ceci dans mon journal. Bref. Bon, là, on est. On est à la fin de l'épisode, je dis. Je pensais qu'il serait plus court que les autres, mais non. Regarde cette marque Sora. Ça ne t'intrigue pas? C'est une marque Trio. Ouais. En fait, c'est juste les bleus qui sont qu'on peut activer dès le début. Là, celle-là, on peut pas. Donc, c'est ça. Non, je vais sauvegarder. Puis, on va se laisser là. Go! En espérant que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, commenter, partager, ça fera extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve mercredi pour le prochain épisode de Kingdom Hearts. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et bye tout le monde. Allez, bye bye.